Alors, il me semble. Ah oui, tiens, je crois qu'il y a une voix qui intervient. Je vais en profiter pour la mettre à ce moment-là. On va l'écouter tout seul. Je vais quand même lui en mettre. Je pense que j'ai mis un délai là. Ouais. Elle arrive. Prends garde! Yeah, ah ouais, maman. Voilà, avec une petite module. Sur un délai, quasiment tous les délais font ça. Hein. On peut s'amuser à faire des effets de pitch. Si on retarde le temps du délai, ça va avoir tendance à descendre. Et si on monte, au contraire, si on raccourcit, ça va avoir tendance à monter la tonalité. Donc tu l'as automatisé là? Ouais, j'ai fait une petite automne. Tu l'automatises en chopant le curseur du plugin et tu... Prends garde! Je le fais ici en général. Tu le fais dans Pro Tools et pas sur le plugin. Ouais. D'accord. Alors, il y a un raccourci quand on veut enclencher un bouton en automation directement sur Pro Tools, le raccourci c'est CTRL, ALT, POM. Et D'accord. clic. Et là, ça met l'automne direct. Donc, où est-ce que je l'ai caché? Voilà, je l'ai fait ici. Bon, en fait, j'ai augmenté le délai ici. Prends garde! Yeah, ah ouais, maman. C'est assez léger. Et que ça soit trop prédominant. On a cette impression que de bande qui est ralentie. Ouais. Bon, donc on va regarder un peu les chœurs que j'ai groupés là sur j'ai mis sur un groupe, comme ça je ferme tout le monde en même temps. Tu les as traités tout ensemble sur le bus. Ouais. Là, il y a trois groupes en fait. À chaque fois, il y a trois pistes. Et on va regarder ça. Donc une au centre. Bon, il y en a une au centre et gauche-droite. Chopin, 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 non. Chopin, 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 non. On n'aura que gauche-droite là. Chopin, 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 Chopin. Et là, comme j'avais envie que ces chœurs soient vraiment stéréo le plus possible, c'est remonté. J'essaie de faire en sorte qu'on n'ait pas trop la voix au centre, quoi. Celle du centre. Là-dessus, j'ai fait un truc. Donc, j'ai mis Fairchild, Chopin, 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 non. qui précise un peu. Chopin, 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 non. Chopin, Chopin, Chopin. Chopin, 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 non. Ça, c'est le Legacy de chez UAD. Il ramène un peu d'aigu et un peu de présence au médium. Et j'ai dû mettre un plug. Ça, c'est un plug. Je ne sais pas s'il est toujours gratuit. Moi, je l'ai eu gratuit il y a quelque temps. L'Imager chez Ozone. Voilà, ça permet d'élargir encore un peu plus, quoi. Chopin, Chopin, ES1, Imager de comme chez des Wave. chouettes, Ouais. d'accord. Chopin, 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 non. Sauf qu'il est gratuit, quoi. Chopin, 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 non. Chopin, 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 non. Chopin, Chopin. On entend un peu la différence, ça élargit pas mal, quoi. Et. Et l'interface est plus jolie que celui de chez Waves. Ouais, puis il est simple, hein. Il n'a pas Voilà, 35 ans il y a deux l'interface. boutons. Et un délai. Il faudrait peut-être que j'ouvre un Echo Boy. On paraît qu'il est au tempo, qui est à l'accroche. Chopin, 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 non. Chopin, 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 non. Chopin. Qui donne un peu d'air, quoi. Il est en stéréo? Et avec. Chopin, 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 non. Chopin, 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 non. Chopin. J'ai passé dans un LA2, pareil, qui donne encore un peu Chopin, de. Chopin, Chopin, non. Donc ouais, le fait de le passer dans le LA2A, ça le renforce. Ouais, Chopin, Chopin, Pardon. j'allais te dire, c'est la première fois que je vois que tu mets un compresseur d'air, un délai. Ouais. Donc. Bah, comme tout à l'heure, je l'ai montré, j'ai mis du Devil Lock, ce qui est quand même une forme de compression, quoi. D'accord, ouais. Ça, c'est moins brutal. Chopin, 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 non. Chopin, 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 non. Chopin, Chopin. Donc voilà, si j'ouvre les trois suivantes, bon, ben, je repars sur les premières. Donc, toc, 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 on a les trois premières. Chopin, 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 non. Chopin, 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 non.
Qu'est-ce que l'expérience m'a appris un truc en R&B par exemple, où souvent on veut des trucs très très détachés, où les chœurs sont, c'est presque comme une voix lead, c'est assez prédominant. Souvent les chœurs sont très 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 élargis. Alors qu'en rock par exemple, on veut que ça fasse plus partie intégrante de la voix, on remarque souvent que ça va être décentré. Et après aussi, on peut étager quand on là, j'avais tout un tas de chœurs, donc j'ai pu faire ça. Mais souvent, si on va avoir une voix lead et un chœur, un grave, un médium, un aigu. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je mets l'aigu d'un côté, le grave de l'autre et le médium au milieu. Ah oui. Ouais. Et là, ça permet d'avoir des chœurs plus détachés. Et si on veut que ça soit plus groupé avec la lead, on resserre. Ce sera plus ensemble. En rock, c'est généralement plus le cas, où on a envie d'un paquet. Et le fait de mettre le grave carrément pané, Ouais. parce qu'on dit souvent que tout ce qui est basse doit être plus au milieu, ça Alors, j'ai n'importe vu pas. toutes les écoles, moi. Justement, à travers plein de morceaux, des mecs qui disaient, moi, je veux le grave au milieu, d'autres qui me disaient, non, le grave, c'est sur les côtés. D'accord. Voilà, si on prend le Uptown Funk de Bruno Mars, les graves sont à fond sur les côtés. Alors là, il n'y a pas de règle. Chacun fait sa sauce. Voilà, c'est les chœurs qui étaient bien de base, donc il n'y a même pas de filtre. Et comme ils sont en même temps que la voix lead, ils sont pas. Il y a des gens qui m'ont dit ouais, ils sont quand même assez forts. Moi, je les trouve pas plus forts que ça. Voilà pour les premiers chœurs.